En manchette aujourd'hui, dépôt de la pétition pour la protection des berges du fleuve à la Chambre des communes. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre en ce 3 juin. Tout d'abord, on débute par le dépôt de la pétition qui a été, les gens ont été invités à signer ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, la pétition pour la protection des berges du fleuve, ça a été déposé à la Chambre des communes. Ce matin, à 11h, Roy Grégoire, un citoyen de Saint-Ignace-de-Loyola, qui est à l'origine de cette pétition, appuyé par le maire de Saint-Ignace, Jean-Luc Barthes, par le conseiller municipal de Saint-Ignace, Pierre-Luc Guertin, par le conseiller municipal à la ville de Berthierville, Pierre Lahaye, par le maire de Lanoraie, André Villeneuve, et par le maire de l'Île-du-Pas, Alain Goyette. Donc, ces gens-là ont assisté au dépôt de la pétition qui était parrainée par le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Donc, ça concerne, cette pétition, la demande de protection des berges dans notre comté. C'est une problématique qui, évidemment, relie de nombreuses municipalités de la région, mais aussi des municipalités de la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Le gouvernement fédéral, rappelons-le, au fil des ans, s'est désengagé envers cette protection des berges. Dans un premier temps, écoutons la déclaration du député Yves Perron à la Chambre des communes. Sera déposée la pétition sur la protection des berges que j'ai parrainée, ainsi qu'une série de résolutions d'appui à cette démarche votée par divers conseils municipaux de ma circonscription. Les signataires demandent au gouvernement fédéral de mettre en place un programme de protection des berges du fleuve Saint-Laurent en prenant des mesures adéquates pour contrer l'érosion et assurer un environnement sécuritaire, telles qu'une réglementation imposant une limite de vitesse selon les types de navires et la mise en place et l'entretien d'ouvrages de protection des berges. Le fédéral a abandonné les municipalités riveraines et leurs résidents depuis 1997, se désistant de sa responsabilité d'entretien des ouvrages de protection des berges qu'il a érigés. C'est scandaleux. Plutôt que de mettre ses pattes dans les juridictions du Québec et de retenir l'argent avec des conditions, le fédéral devrait s'occuper de ce qui le regarde. L'érosion des berges du Saint-Laurent, c'est sa responsabilité. Il faut agir et soutenir nos municipalités et leurs citoyens. Suite à cette déclaration du député Perron à la Chambre des communes, CTRB a pu discuter justement avec le député de Berthier-Masquinongé et ses invités, qu'on vous a nommés tantôt, pour connaître leur réaction et parler de la suite des choses. On regarde ces entretiens. Je suis en compagnie de M. Roy Grégoire et Yves Perron. Vous êtes tous les deux à Ottawa. M. Grégoire, je vais commencer par vous. Pour vous, c'est important d'être là aujourd'hui pour assister au dépôt de la pétition que vous avez travaillé fort, parce qu'on peut parler que vous étiez conseiller municipal, mais vous demeurez aussi sur les berges du fleuve Saint-Laurent et vous aviez constaté une érosion là, à votre propriété. Et je pense que c'est ça qui avait motivé premièrement votre première intervention. Est-ce que c'est ça? Bien, c'est pas principalement chez moi, parce que dans le fond, il y a des citoyens autour de moi qui avaient de l'érosion. Puis j'avais commencé à m'intéresser à ça à partir de 2012 à peu près, avec M. Beaumel, Yves Beaumel. Et puis là, je m'apercevais qu'il y avait un problème majeur. Là, j'ai dit, faut essayer de s'impliquer. Et puis, j'en parlais en tant que j'étais conseiller à la municipalité, d'essayer de mettre des pressions. Puis, en 2019, quand j'ai vu que sur la Rive-Sud, il y avait déjà une organisation qui était en marche, bien, j'ai voulu lancer un petit peu la même chose du côté de la Rive-Nord. Mais sauf qu'en 2020, au début, la pandémie est arrivée, puis là, tout a été arrêté. Et puis après ça, au mois de l'année passée, en 2021, M. Perron est venu faire une conférence de presse chez moi par rapport à... parce qu'on avait la vue sur le fleuve, puis on voyait le trafic maritime. Et puis on pouvait constater un petit peu ce que ça pouvait faire au niveau des berges, parce qu'il y a des voisins où il y avait justement des problèmes. Moi, chez nous, c'est quand même relativement mineur pour le moment.
mais il faut quand même adresser le problème immédiatement, il ne faut pas attendre. OK. Je sais que je pense qu'avec vous, il y a même des gens de Berthierville, là, d'informations que j'ai eues, que vous aviez M. Lahaye, là, qui était ici à Berthierville. Vous avez, je pense que vous avez eu beaucoup, avez-vous été surpris là, de l'appui à la MRC? Je sais que ça a été demandé dans toutes les... Dans tous les conseils municipaux, cet appui-là, puis le nombre de signatures retenues. Est-ce que vous avez été surpris, de, je ne pourrais pas dire de l'engouement, mais de l'implication des gens par rapport à cette problématique? La question, c'est à moi? Oui, oui, excuse-moi. Ben oui, j'ai été surpris quand même, parce que, dans le fond, c'est un problème qui... Des fois, les gens ne perçoivent pas comme important, dépendamment où ils demeurent aussi, au niveau du fleuve Saint-Laurent. Ça n'a peut-être pas la même importance pour tout le monde, fait que, mais sauf qu'on a eu de l'appui de pas mal partout aussi. Même des gens à l'extérieur du comté de Berthier-Masquinongé, il y en a eu un petit peu partout. Il y en a eu un petit peu au travers du Canada, pas beaucoup, mais quand même. Okay. Fait que, aussi, ça m'a coupé. À votre tour, M. Perron, je sais que ça faisait longtemps que vous aviez parlé de cette problématique-là. Là, c'était pas juste quand il y a eu la campagne électorale au mois de septembre l'année passée. Donc, aujourd'hui, vous aviez la fierté de dire « oui, je dépose cette pétition-là ». Tantôt, en pré-entrevue, vous me parliez des événements qui sont passés ce matin, là, vous avez eu de la négociation. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé là, de comment ça s'est présenté à la Chambre des communes? Oui, il y a beaucoup de choses dans ta question. Tout d'abord, la fierté de déposer la pétition, oui, on est bien content. Vous savez qu'on était sur le point de la déposer au mois d'août 2021, une pétition antérieure, et il y a eu le déclenchement d'élection. Donc, on ne pouvait plus la déposer, donc il fallait reprendre le processus. On a fait ça grâce à M. Grégoire, que je remercie encore, parce que moi, le grand privilège que j'ai là-dedans, c'est... J'arrive pas comme un sauveur, là. J'accompagne mes citoyens dans la démarche. Ça, c'est important que les auditeurs le comprennent. Là. Et donc, j'ai remercié M. Grégoire de son initiative. On a fait ça mieux que l'autre fois. Au mois d'août, on avait 600 signatures, puis là, on a eu plus que 800. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. C'est un jalon de plus dans les pressions qu'on pose sur le gouvernement. Pour répondre à la question sur le contexte du jour, c'est que présentement, on est en fin de session parlementaire. Il y a beaucoup de jeux de procédurites pour sauver du temps. Il y a eu une procédure du Parti conservateur qui devait couper les débats pour la journée juste avant la période où on déposait les pétitions. Donc, théoriquement, je n'aurais pas pu déposer la pétition. J'aurais dû le faire lundi prochain. C'est pas bien grave, on aurait pu le faire lundi prochain, mais là, on avait des représentants de 4 municipalités qui étaient avec nous aujourd'hui. Donc, l'Île-du-Pas, Saint-Ignace, Berthierville et la Noraie, et des citoyens qui sont là aussi. Donc, j'aurais trouvé bien dommage que les gens fassent 3 heures de route pour finalement ne pas me voir déposer la pétition en question. Alors, j'ai demandé le consentement unanime de la Chambre et je l'ai obtenu. On a pu déposer la pétition. Voilà. La suite des choses, c'est quoi après ce dépôt-là? Ça va être encore que vous fassiez des interventions, que vous demandiez que ça bouge? C'est sûr que la pétition, si tu fais une pétition, tu la déposes puis tu arrêtes. Ça fait pas grand-chose. La pétition a le gros avantage d'avoir mobilisé les gens. Et là, on s'en va sur la mobilisation citoyenne. Il y a eu des rencontres de citoyens déjà, entre autres à la Noraie, je sais précisément qu'il y en a eu une. Il y en aura d'autres dans d'autres circonscriptions. Et les gens vont s'organiser, vont maintenir l'activité. Et moi, vous savez qu'on modèle aussi notre... Je vous l'ai déjà mentionné, je pense, on modèle notre cheminement sur mon collègue Xavier Barcelé-Duval de Pierre Boucher, les Patriotes vers Chères, qui travaille le dossier depuis 2015. Et eux, ils se sont fait approuver un recours collectif à l'OTAN. Donc, si c'est le chemin qu'on doit prendre, on va le prendre. Mm-hmm. On est prêt à tout. Là. C'est une responsabilité fédérale. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes depuis 1997. Ça fait 25 ans. Ça n'a pas de fichu bon sens. Puis les mots qui me viennent en tête, je ne peux pas vous les dire en nombre. C'est un peu choquant parce qu'on est face à un gouvernement fédéral qui se mêle d'un paquet d'affaires qu'il ne regarde pas, de santé, de tout ça, puis qui ne transfère pas les sommes au gouvernement du Québec dans les dossiers qui regardent Québec, qui vient mettre des conditions, puis qui ne s'occupe pas de ses propres champs de compétences. C'est ça, la voie maritime du Saint-Laurent, la navigation, là, c'est clairement fédéral. Et nos citoyens regardent leur terrain partir. On a des petites municipalités qui sont prises pour faire des travaux d'urgence, pour sauver des ponçons de route. C'est arrivé, là, il y a 2 étés, là. Et
Essayez, si vous savez un peu comment la machine gouvernementale fonctionne, là, essayez pour une petite municipalité de faire des travaux d'urgence pour sauver un tronçon de route, puis d'aller chercher après de l'argent à Ottawa et à Québec. Il n'y a pas personne qui veut donner une scène. Alors, c'est une injustice épouvantable parce qu'on met ça sur les citoyens payeurs de taxes, le plus petit, les petites municipalités qui n'ont pas les ressources financières pour faire l'ampleur de ces travaux-là. Et les infrastructures qui avaient été installées par le fédéral avant 1997, ben, ça fait 25 ans. Je vous laisse deviner dans quel état elles sont aujourd'hui. C'est un peu comme les quais. Là. Mm-hmm. On a parlé beaucoup des quais. Là. C'est le même principe. Donc, on va maintenir la pression. Mais l'idéal, c'est de ne pas se rendre au recours collectif. L'idéal, ce serait de faire suffisamment de pression puis de répandre peut-être sur ce processus-là dans d'autres circonscriptions pour que la pression devienne suffisamment forte pour que les négociations et qu'il y ait le lancement d'un programme qui pourrait mettre fin au premier recours collectif et qui pourrait régler la question pour tout le monde. Les gens sont très raisonnables. Ils ne demandent pas nécessairement au fédéral de payer 100 %, mais ça prend quelque chose, ça prend un soutien. L'ancien programme de 1997 accordait des subventions, donnait des montages jusqu'à une certaine limite. Est-ce que vous avez une information? Dans certains cas, je crois que c'était des 100 % des infrastructures qui étaient payées par le fédéral. OK. À Berthierville, le mur à Berthierville, entre autres, là, qui est dans un état pitoyable, là, qui a été fait dans ces années-là. Là. OK, c'est ça. Tantôt, vous m'avez parlé, vous aviez des gens de la Norelle puis de l'Île-du-Pas. Là, je sais que c'est dur de tasser un petit peu la caméra, mais vous pouvez me dire qui a accompagné M. Grégoire? Il y avait M. Barthes, le maire de Saint-Ignace, M. Guertin, qui est conseiller à Saint-Ignace. Je savais M. Lanel. Je peux vous tourner. Là, il y a M. Villeneuve qui a quitté. Là, parfait. Ça ne vous dérange pas que ça tourne? Non, moi, pas de problème. Bien, prêt à partager l'écran, là, si les gens veulent. Parfait. Donnent... Bonjour. Que vous les voyez? Oui, parfait, c'est beau. OK. Puis de l'Île-du-Pas, c'est qui était présent? Ah, ça, c'est l'autre bord. Attendez, il faut que j'en vois. Tout le monde, là? Bon. Bonjour, M. le maire. Donc, il y avait vraiment du poids municipal et vraiment du poids. Monsieur Goyette, bonjour. Bonjour. De toute cette chose-là. Vous avez vécu l'expérience comment, Monsieur Goyette, vous? C'est quand même intéressant et impressionnant, parce que c'est une visite officielle. C'est quand même dans le cadre des activités parlementaires. On a été quand même en chambre, c'est sûr, assis à la place des spectateurs, mais quand même, on a vu en temps réel notre demande déposée officiellement auprès du gouvernement. Et elle a quand même été traitée. Et puis, c'est vraiment qu'on a pu voir le travail de coulisses qui s'est fait, là, parce que c'était pas convaincu que ça se ferait. Là. Mais je suis impressionné du travail. Et c'est là qu'on voit qu'en arrière de nos députés, il y a toute une équipe qui travaille fort. On a vu ça aussi. C'est quand même, je suis fier là, d'être venu puis d'avoir porté le message à nos citoyens jusqu'ici à Ottawa. Donc, ça va être des comptes rendus qui vont être rendus dans les municipalités. Là. Je ne sais pas si M. Barthes veut nous en parler un petit peu aussi, là, s'il y a au prochain conseil municipal, on va en parler sûrement un petit peu. Sûr et certain, madame. Donc, on va en parler, on va dire ce qu'il y en était, comment ça s'est procédé pour informer les citoyens, comme quoi que, on ne l'offre pas tant ici autant que le fédéral ne fera pas de quoi pour les municipalités. Ah. Ça, puis M. Lahaye, bien, c'est ça qui représente Berthierville, là, que lui aussi, c'est important à Berthierville, on a quand même beaucoup de murs de soutènement. On sait que c'est dans un état, on pourrait dire, je ne dirais pas le mot lamentable, mais vraiment difficile. Ben, c'est exactement, pour reprendre M. Perron, qu'est-ce qu'il dit au bout des murs de long de la rivière. Il y a besoin définitivement d'une réflexion majeure. Fait que, c'est sûr, ça fait six jours que j'ai dit énormément. Que je vous remercie beaucoup à tous d'avoir accepté de me parler aujourd'hui. Roy, vous avez quelque chose à rajouter, M. Grégoire? Oui, bien, moi, c'est ça. J'aimerais remercier M. Perron, M. François Robert, les membres de différents conseils municipaux là, de Béthier-Environ, Saint-Ignace, Île-du-Pas, puis la Norelle. Fait que merci de ce soutien-là. C'est bien important. Fait que je tiens à remercier ces gens-là pour le soutien puis les efforts qui ont été faits. La première activité officielle du 350e anniversaire de la ville de Berthierville, c'est samedi 4 juin. On parle du Berthier-Brou. Retour pour le Berthier-Brou suite à la pandémie qui l'avait empêché de se dérouler dans le parc Sainte-Geneviève à Berthier. On écoute donc Alain Vaillancourt, directeur général de la CCIBA, qui nous parle de cet événement samedi.
dans le cadre des festivités entourant le 350e anniversaire de la ville de Berthierville, la première dans la liste, c'est l'activité de la CCIBA, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Daudré. Monsieur Vaillancourt, directeur général de la CCIBA, pouvez-vous nous glisser un petit mot? Parce que ça s'en vient, c'est le 4. Oui, c'est en fin de semaine, en fait. On souhaite évidemment la première chose, la belle température, parce que ça, c'est une activité qui, pour avoir un succès total, ça demande une belle température. On attend plusieurs milliers de personnes. Il va y avoir six spectacles différents qui ont tout au cours de la journée. En fait, le premier spectacle est à 12h15, mais l'activité commence comme telle à 11h. Et ça se termine à 10 heures en soirée. Il va y avoir aussi une section familiale avec jeux gonflables et maquillage pour les enfants. Il y a une section, évidemment, d'alimentation où en soirée, il va y avoir un michoui qui va être servi. Donc, c'est une activité familiale et il y a 12 brasseurs présents, dont la majorité sont de Lanaudière. Alors, on attend les gens en grand nombre. Évidemment, il y a eu la pandémie, ça a fait un break pour l'événement, ça reprend. Je pense qu'il va y avoir un engouement. Là. Si le soleil est de la partie, ça devrait être très populaire. Ben oui, déjà, on a des réactions. Les gens nous appellent beaucoup pour prendre des renseignements ou pour réserver des billets, parce qu'on peut réserver des billets à l'avance sur le site cciba.org. Et évidemment, il y a des billets à l'entrée que les gens peuvent se procurer. Donc, l'accès au site est gratuit pour tout le monde, mais c'est 10 $ pour les gens qui veulent consommer de la bière. À ce moment-là, il y a un frais de 10 $ qui donne droit au bracelet, au verre pour la consommation. Donc, dans le fond, c'est une belle occasion, de passer du temps avec des amis, tout ça, dans le parc Sainte-Geneviève. C'est un super bel endroit, évidemment, à Berthier. Puis de découvrir, justement, ces micro-brassis-là, qu'ils soient de la Lanaudière ou des alentours, je pense que c'est une belle occasion. Oui, bien, les gens, je pense, aiment de plus en plus les micro-brassis sont à la mode. Les gens aiment découvrir différentes saveurs de bière et ils vont avoir l'occasion de le faire à cette occasion-là. On vous souhaite un beau succès. Merci beaucoup. Allons à la pause. Les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end, 3 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Diane Étier. 4 juin, samedi, la FADOC souhaite bonne fête à Daniel Forêt. Le Centre d'action bénévole d'Audrey, le CABA, souhaite bonne fête à Marie-France Dubé. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Pierrette Lessard-Chagnon. Et 5 juin, dimanche, le CABA souhaite bonne fête à Normand Rochette. CTRB a pu rencontrer Benoît Brière sur le site du Festival de Lanaudière à Joliette. Monsieur Brière nous parle avec enthousiasme de la prochaine saison du festival, dont il est le porte-parole. On écoute le reportage. Oh, bonjour, c'est M. Brière. Bonjour, Benoît. Oh, comment ça va? Ça va bien? Ben, je suis venu prendre... Vous êtes de bonheur? Ben, c'est ça, je t'ai pour dire que t'es en avance pour ton spectacle. Ça commence pas avant le mois de juillet. Je pense qu'on a intérêt cet été à pas prendre de chance. Ça fait quand même 2 ans qu'on a été arrêté pour une patente. Là. Il y a une patente qui nous a arrêté. Là, on peut revenir. Ouais. Enfin. Je sens qu'il va y avoir du monde. J'espère. Tu te retournes dessus, qu'on jase un petit peu? Oui, OK. Ben, je sais pas, parce que toi, tu t'as. Non, mais c'est vrai que ça commence juste le 30 juin. Hein? Ben, pas juste, c'est que c'est proche encore. On a une technique. Parfait. Un technique d'à peu près 3 semaines. 3 semaines? Du vino? Ah, ça! Ça, c'est sûr! Ça, c'est mais... sûr! Allô? Allô! Donc, t'es en avance, oui, c'est oui, ça, avec tes porte-parole pour le festival cette année. Je pense que... C'est ça. Je pense que c'est vraiment pour toi un honneur et c'est vraiment un privilège, hein? Ça a duré longtemps avant que ça soit officiel, oui, on va oui, dire. Oui, bien, ça a pris 3 ans. Ça a pris 3 ans. Avant que ça s'officialise, mais c'est... Mais c'est pas de ma faute. Non, ça, je c'est pas de ma faute à moi. Ça c'est l'affaire qui n'est pas de ma faute. Mais oui, c'est sûr que c'est un grand honneur puis un grand privilège pour la simple et bonne raison que, de toute façon, j'y viens pratiquement à chaque année. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai manqué des années. Mais bon,
peu importe, on parle pas de moi, on parle du fait que cette association-là, pour moi, me semblait tout à fait naturelle, de par la femme que j'ai choisie. Oui, oui, on le sait. Choisie, Dieu merci, qui continue de me choisir. Ça reste à trouver, parce que c'est ça. Mais... Et puis, ça fait 33 ans. Alors, ça fait un minimum de 33 ans que je viens au festival. Ça fait un minimum de 33 ans que je vais au camp musical de la Naudière, le camp Perlinzé. Donc, je suis comme un habitant par intérêt de Joliette. C'est ça. Fait que, donc, je pense que c'est un naturel. C'est un naturel aussi parce que, bien évidemment, vivant avec une violoncelliste, ayant eu des enfants qui ont fait tantôt 10 ans de piano, tantôt 12-13 ans de violon, on est dans le monde de la musique, on aime ça, on savoure ça, on est des grands amateurs de ça. Je dis bien amateur dans tout ce que ça peut vouloir dire, parce que j'ai vraiment l'impression d'en connaître de moins en moins, plus j'en apprends. Les amis des amis sont devenus des amis, etc., ce qui fait que je connais beaucoup, beaucoup de gens dans le milieu, dans le monde de la musique classique. C'est du monde trippant, puis c'est du monde le fun. Ça fait qu'on est au courant de l'un qui va être en concert, l'autre qui va être en concert de l'autre tantôt, etc. Fait que donc, c'est une communauté, là. Oui, c'est une communauté. C'est une petite communauté, somme toute. Et puis là-dedans, t'as de l'élite inouïe qui vont nous livrer, nous donner leur talent. Puis on va pouvoir savourer ça dans un cadre exceptionnel. Il n'y a pas que si, bien sûr, là, avec la programmation de Hors les murs et tout ça, les églises et tout, ça va être fabuleux. C'est tout la Naudière qui va en profiter cette année. Quelles sont les chances où on peut assister à un concert autour d'un feu de camp? C'est rarissime. Oui, c'est ça. Où ça n'existe carrément pas. C'est ça. On va avoir la chance d'avoir ça. On a des grandes vedettes internationales, locales, qui vont venir performer pour nous dans un cadre tellement enchanteur que même pour eux, ça... C'est pluriel, le c'est fait ça. De se présenter sur cette scène-là, parce que tu es dans un contexte, un environnement qui va tellement être agréable pour eux, donc ils vont être en situation de livrer la meilleure performance de leur vie. Je suis en train de leur mettre la pression. Ouais, c'est ça. Vous avez compris. Bon, oui. Donc, pas besoin d'être bon, c'est ça que je suis en train de dire. Ouais, c'est ça. Mais tu es d'accord avec moi que te connaissant, puis avec tout ton entourage, parce que ça fait quelques années que je te connais au niveau de la musique, puis tout ça, ils t'ont pas tordu le bras longtemps. Oh non. Non, ils n'ont pas eu à me tordre le bras beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, non, puis en plus, comme je disais, ça fait 3 ans qu'on est stand-by. Puis à chaque fois, on s'appelle aux quelques mois. Puis, ça se passe-tu? Non? Ah, ça sera pas cette année? Ah, OK. Fait que, non, non, ils n'ont pas eu à me tordre un bras du tout. Si ça se trouve, c'est moi qui aurais peut-être pu les appeler pour dire, hey, je suis même chercher un porte-parole. Ça oui, c'est ça. Question. Oui. Je te vois avec la programmation. Là, c'est encore plus officiel. Là. Comme oui. Tu dis, c'est le 30 juin, on est le 2 juin. Ça s'en vient. Le décompte, on est comme aux Olympiques. Pas chez nous. C'est oui, 28 moins temps. Oui. Y a-tu des choses? Parce que je t'entendais parler avec Winston justement en entrevue. Puis tu sais, tu me parlais de la programmation. Puis cette année aussi, c'est comme éclaté parce qu'on a comme condensé, cherché des choses. Je pense que ton prochain rôle, je ne veux pas t'enlever la job à Renault, mais participer au choix des musiciens, participer au choix des choses. Ouais. Y a-tu quelque chose dans ça que tu dis? Moi? Ouais, que bon, écoute, faut que je dise d'emblée, j'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, et j'aime surtout découvrir des choses. C'est sûr que c'est rassurant. C'est comme un beau gros gâteau de chocolat. D'aller assister à un concert de l'OM, par exemple, parce que tu sais qu'il va se passer quelque chose. C'est sûr que si Yannick est là, c'est fabuleux. Mais on n'oublie jamais les musiciens de l'OM. Et si la première personne qui n'oublie jamais les musiciens de l'OM, c'est Yannick Nézet-Séguin. C'est ça. Fait que donc, on sait que si Yannick est là, c'est fabuleux. S'il n'est pas là, il y a l'OM. Oh oui. Tu comprends? On va avoir un concert fabuleux où il ne sera pas là, mais de l'OM. Fait que c'est sûr que cherchez-moi pas, je vais venir te dire j'ai une excuse, ma blonde joue, mais c'est pas ça. Il y a d'autres affaires. Les hors les murs, comme je disais tantôt, c'est sûr que ça va être trippant. J'aime, comme je disais, beaucoup de choses. J'aime découvrir des affaires que j'ai jamais entendu parler de. Il y a des concerts incontournables pour moi. Par exemple, parce que je veux pas faire de la promo, là. Parce que je pourrais faire de la promo pour tous les concerts. Mm-hmm. Mais en pensant d'avoir la chance de voir les deux Hamelin, ouais. Frères d'instruments. C'est juste parce qu'ils sont frères, mais ils sont frères pareils d'instruments. Voir les deux Hamelin réunis sur une scène avec les violons du roi et la badie, ça, c'est... d'après moi, c'est comme une affaire que si un concert que tu veux absolument pas manquer dans ta vie en disant j'étais là cette fois-là, c'est ça. C'est pas mal ce concert-là, à mon avis. Là.
Mais encore là, écoute, Payaré qui débarque avec son OSM. Et encore, là, je parle des locaux, il y a des artistes internationaux de grande, grande envergure qui vont être là. Alors, c'est sûr que et la beauté de la chose, c'est que j'ai un horaire très chargé cet été. J'en suis très content. C'est pas du bois, pas grave. J'en suis très content. Il y a toutes sortes de tournages et la tournée de Brou qui se continue. Il nous reste 70 shows à livrer jusqu'à la fin décembre. Bon, je suis booké. Sauf que, pour un heureux hasard, je ne voulais pas être porte-parole du festival si j'étais pour ne pas être là pendant. Oui, je comprends. Puis là, on me disait, bien, si tu es capable d'être là à l'ouverture, à la fermeture, déjà, ça serait pas mal, tu sais. Eh bien, non. Il y a beaucoup de dates disponibles pour venir au concert. Fait que le plus que je vais pouvoir, je vais être là. Puis je veux tenter de tout, comme je disais. Je veux tenter de hors les murs. Je veux tenter des concerts dans le Lanaudière agrandi. Ici, bien sûr, à cause du contexte, à cause de l'environnement et tout. Tout ça. Vraiment, je pense que ça vaut la peine d'aller perdre un peu de temps sur festivallanaudière.org pour aller voir la programmation, parce qu'il y a de quoi se gâter bien comme il faut. Tu vois ton rôle, justement, accueillir les gens, être ici, faire des commentaires avant, après, un petit peu de critique. Une grand gueule. J'aime le monde. Et je n'ai aucun problème avec la tape dans le dos. Et je n'ai aucun problème avec les gens me tutoient d'emblée. Je ne suis pas un partisan du vouvoiement. Je le suis pour les gens que je respecte énormément. Et quand ils me demandent de tutoyer, je trouve ça très compliqué. Ouais. Mais moi, comme tutoie, j'ai zéro problème avec ça. Oui, je vais recevoir le monde. Oui, je vais être verbomoteur jusqu'à la première note. Et je vais recommencer à l'être à partir de la dernière. Oui. Absolument. Mais je trouve, sans dire que ça fait partie de la job, de la responsabilité du porte-parole, c'est aussi un plaisir que d'aller au-devant des gens, de rencontrer les gens. On a été reclus pendant 2 années. Pendant 2 années, les artistes, les gens des arts de la scène, tout médium élargi, là, on a mangé nos bas. Ben c'est ça, je t'ai pas dit. Ça, c'est un besoin fondamental. On parle de drogue. Oublions drogue parce que c'est... C'est pas un mot qu'on aime utiliser. C'est de l'adrénaline. Mais c'est un besoin vital. C'est comme de se nourrir. C'est aussi important que ça. Là, on ne pouvait pas le faire. On n'était pas à la rencontre des gens. On n'était pas allé assister à des concerts, à des pièces de théâtre. On ne pouvait pas le faire. Là, on peut le faire. On peut le faire encore une fois, en plus, dans un environnement exceptionnel. Rencontrer les gens, il faut être là. Parfait. Donc... On te remet dans le bon sens, pas manquer ta place. Il faudra faire silence bientôt parce que c'est ça. Ton lunch s'en vient, ton vino s'en vient. Je suis stationné pas loin, il y avait de la place dans le stationnement. Bon. Je suis stationné proche. Bon, que bon concert, merci. On se revoit à la première, à la générale. Je vais être ici. Hein. Parfait, je te remercie, Benoît. La météo rapidement, brouillard en ce vendredi durant la nuit. Possibilité d'orage demain, une bonne partie de la journée. On prévoit aussi un peu de soleil. Dimanche, le soleil sera plus présent. Des mercures aux alentours de 19-20 degrés. Sur ce, on vous remercie d'être à notre écoute et on se revoit lundi.